Salut les amigos, vous allez bien? Aujourd'hui c'est trop bien, on se retrouve pour un Ranky Gamer sur le jeu Activate. Vous allez voir, c'est carrément dingo. Activate, c'est un jeu qui vient du Canada et des États-Unis et qui normalement se joue IRL en vrai quoi. C'est pas la fame ça. Mais bon ici, au lieu que ce soit des êtres humains, ce seront des avatars Roblox. Le principe est hyper simple. Il y a un tapis avec des dalles de plusieurs couleurs. Les verts te donnent protection. Par contre, les rouges sont là pour t'éliminer du plateau. Il faut les éviter quoi. Le rouge, c'est la lose. Si t'es éliminé, pas le choix, tu dois attendre la prochaine manche pour revenir. Super important, c'est un jeu d'équipe. Il faut bosser en coopération pour obtenir toutes les dalles bleues et passer au niveau suivant. Voilà, en gros, c'est le bel esprit qui compte quoi. Et c'est parti. Oh, ça y est, je suis déjà à fond. Ah oui, il faut savoir que chaque tableau a des patterns différents. Par exemple, la colonne rouge, là, elle bouge toujours dans la même direction. Elle va pas dans tous les sens, hein, donc l'important c'est de bien comprendre le rythme pour pas se faire avoir. Oh, oh là là, il y a un amigo qui a fait un excès de zèle juste ici, mais c'est bon, on peut continuer. Ah, c'est vraiment ça que j'aime dans ce jeu, c'est vraiment un jeu d'équipe, de team. Donc si tout le monde se donne à fond, on terminera plus rapidement la partie. Objectif, la win quoi. Alors vous voyez là par exemple, le rayon part de l'intérieur. Oh là là, mais il se passe quoi? Il y a carrément des prises de risque. Allez go, je tente, je vais aider. Voilà, hop hop, la ligne rouge. Faut toujours passer par-dessus, Belgium19 s'en sort très bien. Mariam aussi, bien joué. Oh, oh, oh non, la loose, j'ai été touché, je le crois pas. J'étais sûr que ça passerait. Crème. Bon, bah c'est pas grave, on va regarder les amigos qui continuent. On a Aya, la prépie des princesses qui est juste ici pour l'instant et qui attend, Belgium19 qui est au coude à coude avec Banal, MDR le pseudo. D'ailleurs, vous avez vu, hein, y a le pseudo au-dessus de leur tête au niveau du spectateur, ce sont des pseudos renommés, des pseudos qu'ils ont choisis pour le jeu quoi. Banal par exemple, en vrai, c'est Mariam et elle continue de récupérer les dalles bleues, bravo! Et pour l'instant, elle a 101 dalles. Mais trop bien! Belgium fait des forcings avec 89 dalles, ça joue bien. Oh là là, ça joue bien. Et bingo, Belgium a dépassé Banane de une dalle. Tellement de pression, ça joue bien. Et si on a Sophie qui a 89, il n'y a plus que 3 amigos en vie dans cette partie. Et c'est fini. Et c'est Belgium qui a remporté la victoire. Bien joué! Oh là là, c'est vraiment chaud sur cette partie. Il y a du level de folie, ça a été très rapide. Allez, c'est parti. Prochaine game, on essaye de survivre jusqu'au bout. On y croit. Oh, oh non. Oh, il y a Laurie qui s'est fait éliminer immédiatement. Attention à la prise de risque, les amigos. Alors, niveau pattern sur cette manche, trop marrant. On dirait une petite balle qui rebondit, donc il faut juste anticiper et faire hyper gaffe. Oh my god, Banane et Belgium qui ont été ultra rapides. Aya n'était pas très loin non plus. Sophie aussi, bien joué. Et vous assurez grave, hein, les amigos. Tout le monde se donne à fond. Ah, il y a Esteban Nathanael qui est encore tombé. Il a tendance à prendre beaucoup de risques, lui. Mais bon, en même temps, c'est le jeu, il faut jouer à fond. Et oh, regardez ça, il y a Banane qui a déjà 65 dalles. Belgium 58, 48 pour Sophie. Il y a du turbo boost dans ce jeu. Banzai, vous êtes carrément à fond. Ah oui, Lily est pas là aujourd'hui d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans ce jeu. Certains sont un peu limités niveau nombre de gamers, mais elle est là dans nos cœurs et on lui fait des gros bisous. Elle nous rejoindra sur les prochains jeux. Mais c'est vrai que quand il y a peu de place, elle préfère laisser la place à la communauté. Elle est comme ça, Lily, elle fait plaisir avant tout. Oh non, Aya est tombée, pas de chance. Et 81 pour Banane qui gagne sur Belgium. Oh my god, le tournoi va être méga serré. Entre Belgium et Banane, ça se bat au coude à coude, on lâche rien. Sur Activate, les parties sont ultra rapides. Et je ne crois pas, c'est déjà reparti. Nathanael qui est déjà avancé. Et il a oublié que la ligne verte est celle qui nous protège. On pouvait rester au calme sur le bord, mais il a voulu aller plus rapidement. Pour cette partie, il n'y a pas de pattern. Il faut juste ne pas toucher les bords rouges. On reste focus. Oh, oh non, la loose. Il y a quelqu'un d'autre qui est tombé juste ici. Allez, on continue. Voilà. Premier bord validé. Pour l'instant, Belgium a l'avantage avec 44. Banane à 34. Les autres joueurs essayent de rester dans le game, mais c'est pas simple. Hein. Il faut savoir que Belgium et Banane se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup entraînés pour ce tournoi. Mais oui, quand on annonce les tournois, si on veut, on peut se préparer. On est pro ou on l'est pas, quoi. Je crois que Banane avait déjà 271 victoires avant même de commencer le tournoi. C'est un truc de fou. Donc vraiment, on parle d'un entraînement de dingo. Belgium 19 assure grave aussi depuis le début du tournoi, il faut avouer. Allez, on lâche rien. On se bat, on prend des risques. 74 dalles pour l'instant, ça joue très très bien. Moi, je suis à 26, c'est carrément la loose. Et il faut pas oublier qui est le boss ici, hein. C'est Ranky. Non, en vrai, j'essaye de pas trop gagner. Je préfère vous laisser la place pour avoir la win. Je la joue spectateur, quoi. Alors attention, on passe sur un pattern sphérique. J'adore. Alors comme toujours, il faut faire attention aux dalles rouges. Regardez, elles tournent.
tourne. Elle se télétransporte, quoi. Regardez, on voit que Banane est en train de rattraper Belgium avec 100 dalles. Ça va de plus en plus vite. J'arrive plus à suivre, moi. Banane qui n'hésite pas une seconde. Les dalles disparaissent beaucoup trop vite. Belgium essaie de récupérer quelques morceaux, mais pour l'instant, bah, c'est Banane qui est en train de tout récupérer. Belgium va récupérer les restes. Ça va se jouer vraiment à très très peu. Regardez, il reste plus qu'une dalle, la dernière, pour compléter le board. Il y a Nikki aussi qui était là sur cette partie de malade. Mais bon, on va pas se mentir, c'est une victoire de Banane, quoi. Bon, alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Banane s'en sort beaucoup trop bien. Comment elle plie le game, quoi. Du coup, vous savez quoi, je vais essayer de me battre contre elle cette fois-ci, en mode Rocky Warrior. Bah oui, il y a plein de manches, donc c'est pas grave si elle en perd une. Elle a une grande avance déjà. Ça va être carrément chaud, mais je vais essayer de la battre. Faut pas exagérer non plus, on est sur Rocky Gamer, pas sur Banane Gamer, quoi. Bon, du coup, il faut que je m'habitue au jeu. Je suis pas entraîné comme un dingou, moi. J'étais plutôt en mode chill, mais je vais tenter le coup. Oh là là, on a Ricky Boss qui a 20 et Banane qui est en train de remonter. Donc pour l'instant, je suis pas du tout en train de gagner, c'est totalement la lose. Allez, vas-y Rocky, vas-y. Truc de folie, je me donne carrément à du 200%. On est sur du full power, là. Je dois tout donner pour essayer de rattraper Banane, voire même Ricky, parce que pour l'instant, il a aussi la total win. Alors là, on a un petit pattern qui avance normalement. Focus sur le rouge, c'est bon. Oh là là, j'ai pas eu beaucoup de dalles. 21 sur 35 pour l'instant. 42 pour Ricky Boss. Mais je vais pas du tout réussir en vrai. Oh, comment j'ai la pression. Le doute est là. Allez, on lâche rien. On arrive sur la troisième manche, la dernière. Alors celle-ci, elle est très compliquée. Regardez ça. Ça part dans tous les sens. Ah, oh non, je crois pas. Ricky Boss vient de se faire éliminer. Donc tout est possible. La remontada, yiha. 41 pour l'instant. Banane se concentre sur le centre, mais le centre ne rapporte pas beaucoup de dalles. Donc moi, stratégiquement, je vais viser les coins. Trop malin, quoi. Il y a beaucoup plus de dalles bleues. Quelle pression. Pour l'instant, Banane est en train d'essayer de récupérer un pattern. Mais il se passe quoi, là? Elle bouge plus. Perso, je suis à 41. Je sais pas pourquoi Banane bouge plus. Et il se passe quoi? Ah, compris. Banane est en train d'écrire un message sur le chat. Erreur. Je pense qu'elle m'aurait battu sinon. Mais du coup, je profite de la faille. 52-54. Ça se joue à quelques dalles. Vite. Voilà, on récupère celle du coin. Objectif, un maximum de dalles. Pour l'instant, je prends une avance. Il reste plus que le petit coin là-bas, faut foncer. Mais je pense que même avec ça, elle aura du mal à me rattraper. Ça se joue à quasi rien. 60-65. Et voilà, j'ai gagné. Yeehaw. En vrai, si elle s'était pas arrêtée pour écrire à quelqu'un, je pense que j'aurais perdu. Pareil, si Ricky Boss avait été là dans la compétition, s'il n'était pas tombé, quoi. Franchement, très bien joué, parce qu'on sent l'entraînement grave. Comme quoi, s'accrocher et bosser, bah, ça le fait, quoi. Et c'est pareil en classe. Ça y est, le tournoi est déjà terminé sur Activate. Alors évidemment, on a fait plus de parties. Il y en avait des graves bien, mais on peut pas tout montrer dans un seul Rocky Gamer, ou alors il serait super long, quoi. En tout cas, sur ce tournoi, c'est Mariam alias Banane qui remporte le jeu avec 23 victoires. C'est énorme. Big up Banane. En deuxième place, on a Belgium 19 qui s'est hyper bien battu. À chaque fois, c'était du coude à coude avec Mariam. Et puis, en troisième position, il y a Prépi des Princesses qui a hyper bien joué aussi. Une victoire. Alors, c'est temps de dire, ouais, mais moi, je suis resté en vie jusqu'au bout. C'est vrai, mais l'objectif était aussi de prendre des risques et d'aller chercher les dalles. Allez, salut à tous et à très bientôt pour un prochain Rocky Gamer. Yeehaw. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Une bonne petite balade dehors, tiens, respirer de l'air frais.